Définitivement là, après action ça qui finit passé, dans quoi les bouquets là, je suis capable de dire très clairement, pas qu'il n'y a aucun côté dans la capitale Port-au-Prince pour t'a dit t'es tout sif. Pour t'a dit ou en sécurité, vidéo virale sur Internet là, 400 maozo frappé, un paquet de dégâts fait, ah, bagay yo terrible. M'a tourné sur ça tout à l'heure. Nous gagnons Reginald Boulos lui-même qui pote un démenti formel sous question détournement 65 millions de gouttes pour l'État haïtien. Est-ce que c'est ULCC qui sous bluff? Est-ce que c'est Reginald Boulos qui a fait un servicolet qui lui-même besoin de la veille magie? Est-ce que c'est persécution politique, j'aime te dire déjà? N'a comme tout bagay, nan yon ti moment. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue ou sous TAC 509 tout haïtien connecté ou dans l'émission Mon Éditorial. C'est un grand plaisir pour nous rejoindre, nous, pour nous brasser l'idée et bien entendu, dépousser haïtien qui remè pays, qui gon attachement avec Haïti, ou ap toujours gen préoccupation sou insécurité, sou cause instabilité politique là, parce que ça qui passe dans pays est extrêmement compliqué, extrêmement grave et jusqu'à date, nous poukou e bonne volonté acteur politique pour sortir pays dans crise liée là. Pour yon sorti pays à l'instabilité li la, on dirait que tout le monde c'est ça y a cherché, c'est ça y a besoin. On façon pour yon kazi yon même yon pi bon yon même yon ta fait mieux. Déjà, m'a dit un grand merci pour écouter, fidélité ou attention. Continuez à garder vidéo, à partager vidéo, à quitter un commentaire, quitter yon like. Nous pral pas les pays, nous pral fait débat. Des micro-présentations, c'est toujours même Yannick la même voix. Rien pas changé. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Bien évidemment, nous constatons, c'est un fait. Gang prend pays, 24 sur 24 pays en sous-tension. Tantôt, là, c'est pas monsieur, jeune famille allié, qui fait raille, qui met des bandits dans la rue, qui tire sur le monde, qui vole à faire le monde. Dans le monde, dans le fond, il y a des boules qui sont son 400 marozo qui fait pâle. Là, c'est pas 400 marozo, c'est la boule. Nèg yo à l'aise pour rentrer dans sous commissariat pour prendre policier en otage, nèg yo à l'aise pour rentrer dans antenne de police pour aller désarmer policier, alors que nous gagne des autorités de l'État, nous gagne un ministère de l'Intérieur, nous gagne un premier ministre, nous gagne un président, nous gagne force de police, nous gagne soi-disant force armée d'Haïti. Tout récemment là, moi-même mon qu'on a demandé tout le temps PNH di yo gen matériel ka rentre bon récemment là yo sot fè mwen yo gen blindé qui rentre. OK, bravo la police, mais et après parlant de 400 marozo hier qui fait quantité de dégâts matériel ça nan kwa de bouke 400 marozo sorti on paquet de dégâts matériel fait ou imagine on moun ki te prêté machine pou ta l'enterrement ça ou pral gen machine pou remettre. On moun ki te passe 10 ans travail ap serre l'argent pour économiser pour acheter une machine, ou pral passe 15 ans, 20 ans, 30 ans kounye a pou fèl. Parce que situation yo pa même, économie yo pa même. On groupe nèg, yo pran zam pou yo al bataille, pou ki sa pou yo al bataille pou territoire avec Kafou Marasa. Chada bloqué, Marin bloqué, quoi de bouke se pa parler. Parce que yo besoin de limitation Kafou Marasa. Toute situation sa yo, côté la police. Toute situation sa kap déroule, toute tension sa kap passe dans Kwa de Bouke, côté intervention la police fait pour stopper vagabond sa yo, pour stopper gang sa yo qui a ferraille dans 400 marozo. Jodi on trouve une situation. C'est chaque coup bandit fin agi et pour la police apparaître. Et à travers la conférence de presse, direction générale de la police en toujours bail ou bien porte-parole de la police en toujours bail, ou senti que, même genre avec chaque grand haïtien, yon constate fait, yon constate que pays c'est bandit
kap dirije peyi an, se bandi ki gen kontrol peyi an, e ke la polis toujou trouve l non situasyon kote ke sil pa gen konkou, sil pa mande konkou populasyon, pa vreman gon bagay ka fet. E ki sa ne pense populasyon ka fe kont bandi sa yo? Kont gro neg ak zam za yo, manch long za yo, bien armé ki sa yo ka fe? Sinon ke fuy la ka yo, pran pitit yo, kite tout sa yo te gen, kouri alret ka an zami, kouri alret ka an fami. Ki yo menm an atada ke bandi pou ko rive sou yo, yo a senti yo an sekurite. Se realite sa na viv nan peyi an. Map soje tre klerman, prezident Jovenel te di, nou an reyunyon ki ta fet nan konsey sekurite Nasyons Uni an, ke gang ki te demantle nan peyi an. Pou kati te gang, oui, la polis nasyonal te demantle, 400 marozo te la dal. Donk jodi an la, ki 400 marozo nou gela? Son lot 400 marozo, pi mèm 400 marozo an. E gon realite nou pa konen. Devan jè nou fami an liye sa nou tande, ki son koalisyon gang, ki son federasyon, 400 marozo li mèm son lot bagay. Pwosè ke 400 marozo pou kati te espas ki nan men, monsye sa yo. Si yo kite, si l'etat ayisyen, si otorite la polis yo, l'armé, yo kite monsye sa yo van le teren, nou pou ko jam konsakre le ensekurite nan peyi ya. Yon group gang, yo pran Kwate Bouke, yo pran Grantye, yo pran Mon Kabritok, so vas, on vas, on vas de ter ke bandi sa yo kontrole. E pe de tan sa, matin se yo, midi se yo, aswe se yo, nan ak sa, 400 marozo gen sou kontrol li an, nou pa jwenn prezans la polis tout bon. Eske ou pral dim ou ap jwenn polisye an ba Mon Kabrit? Eske ou pral dim sou tout Grantye ou ap jwenn polisye? Eske ou pral dim an da tout Kwate Bouke ou ap jwenn polisye? Non, nou pa gen prezans polisye ki ka disyande bandi, ki ka fe bandi pe jodi an. M ka kopran si gon operasyon la polis ap mene, son aksyon ki predetermine PNH pral rentre nan tel baz, li pral atake bandi, le sa ap jwenn un nomb de polisye un efektif ki kado plus ou mwen yo konfòtab pou yo bata avèk bandi. Men lò gen 2-3 gen polis yo mete nou konteneur, mete nou anten de polis. Ki sa l ka fè pou un group 10 neg, 20 neg, 30 neg, 2 kamyonèt ap vin depoze bandi pou atake polisye? Ki sa polisye sa yo ka fè? Ki ripòs yo ka fè? Polisye a tout pè poutèt pa lese yon nan rezon jodi an. Ki fè nou wè an pil polisye santi yo konfòtab pou yo fè pati yon group gang? De fwa, ou kon ap gade videyo gang yo ap mete sou rezo sosyo, surtout lè yo pran la rwi. Ou santi nan menm group sa gen seri de neg, wap gade korpulans neg lan, wap gade teknik neg lan kenbe zam, wap di tèt, "Ah, eske sa se pou polisye ki deye kagoul lan? Eske sa se pou polisye ki konfòtab kon sa?" Paske polisye yo gon fason yo bouje, polisye yo gon teknik pou yo kenbe zam. Donk, wap pose tèt ou mille yon kesyon ou pou ko jam ka jwenn yon repòs pou li. Se realite peyi an. Se vre, nou jwenn de seri de polisye ki oblije pou an rezon pou an lot, ki fe alians avèk gang. E pa pwemye fwa nou tande aparete polisye nan kidnapping, se pa pwemye fwa nou tande aparete polisye nan vole, se pa pwemye fwa tande abdou tel polisye fè pati de tel group gang. Non salman polisye sa, moun sa, ki te pou angajman anvè ou institisyon pou l'poteje moun, ni vin mette l nan situasyon, se li menm kap detui moun, kap vole bien moun, etc. Mande tèt ou eske ou viv nan peyi? Si oui, koman l rele? Si oui, eske l gen dirijan? Koman dirijan sa yo rele? Paske mwen menm tout sa mwen jodi an, son group gang ki kidnap ou peyi, ki sekestre ou pèp, epi yo vle koube. Koube an ba la lwa, koube an ba la lwa gang, koube an ba bon volonté bandi genyen jodi an pou l patou yo demain peut-être. Insécurité arrive trop loin, violence arrive trop loin. Jodi an la, est-ce qu'on ka parler de insécurité? Nou plus ka parler de terrorisme que nou parler de insécurité, de violence, etc. Gen moun ki dou nou non terrorisme d'état parce que G9 famille allié, c'est pouvoir l'état qui fédéré ou c'est CNDDR qui mette au campé. Et c'est pas menti. Que on a opposition politique, que on a pouvoir, qu'on soit fanatique pouvoir, faut qu'on admette li. CNDDR sous initiative exécutif là,
Yo fédéré G9, yo mette Tilapli, yo mette Chrisla, yo mette Izo, yo mette lot ensemble. Pour yo te ka contrôler yo, pour yo te ka gen contrôle yo, mais finalement son contrôle qui échappé en bas mes exécutif là, son contrôle qui échappé en bas mes pouvoir l'état. Et de ce fait, ou jwenn des séries de monde, je dirais qu'a parlé du terrorisme d'état. Parce que bien entendu, lò analyser, lò essayer raccommoder. Ou après amener G9 avec exécutif là, ouais c'est eux même qui te mettent là. Mais gen l'autre monde tout qui dou, c'est un hasard. Mais le hasard fait bien souvent les choses. C'est ça on doit connaître. Qui ça qui doit fait avec insécurité ça? Qui ça qui doit fait avec groupe gang ça qui fin prend pays? You know what on fait? C'est que en pile fois la presse participe dans bay bandi j'arrête et on va le comprendre comment. Jodi en même Jean ouais. Direction générale la police li annonce gon conférence de presse k'ap bay nou e gon quantité journaliste ki ale que les médias traditionnels que les médias en ligne tout moun ale y al prend information après ça pou yo relayel pour information ça pou yo ka faire circuler pour tout moun konnen ça te di ça te fait c'est même gens jodi an la groupe gang nan li annonce gon conférence de presse la bay et généralement c'est toujours médias en ligne pour la plupart et pas tout non. Pour la plupart, ouais qui allait qu'al relayer information, qu'al prend conférence de presse mes bandits et puis après qu'al relayer information. Est-ce qu'on senti gon confort là-dedans? Est-ce qu'on senti nous à l'aise? Jodi a pour caméra nous, pour micro nous, c'est bandit n'a pas parler, c'est pour bandit n'a fait promotion là-dedans. Moi même pas ouais confort là-dedans, pas ouais satisfaction là-dedans. Pas aucun bienfait là-dedans. Jodi a monde qui a terrorisé peuple là. Moun kap tue peuple, moun kap réduit peuple, nan pauvreté, nan volé, nan déchouqué, nan boule bien moun yon réduit fait, et puis c'est moun sa yon jodi pou nan fè promotion pou yon. Fok nou prudan, pou pi devant pou nou pa bay haïtien raison sou nou. Sa li extrêmement important. Ou ka toujou fè travail et de terrain. Oui, mais gardez. Est-ce que c'est nan bay bandi parler matin midi soir? Est-ce que c'est ça ka boye lan? Est-ce que c'est ça ka fè moun konnen? Est-ce que c'est ça ka fè moun sonjo nan histoire pays a? Bien, on va avancer. Gang pa gen respect pou kikonk nou jodi a la. Il fait un temps, l'autre kon tande ou dou, ça son ti grand moun, ça son fanm ansèt, ça son ti moun. Bandi an, li te kon gen, c'est pas une mission direct yo voye la le fè. Li te kon omwen te kon pran la pen, li te kon gen pitié pou moun sa yo, pou personne âgé sa yo, pou moun ki nan situation et ki bezwen protection. Jodi an, ti moun nan pa epanye, bandi an pa pe pou pran gran moun nan, soti an lè la yel an ba pou touyel, nou toujou tan de situation sa yo. Lè gen masak ka fèt, lè gen atak ka fèt, lè bandi yo nan patake lot. Jodi an pa gen moun ki an abri, pa gen moun ki epanye. Est-ce que nous ka à vivre comme ça dans le pays? Est-ce que nous ka continuer à vivre comme ça lorsque nous gagne des chefs, nous gagne des autorités, nous toujours content pour frapper l'estomac que pour dire ces chefs. C'est ministre de l'Intérieur. Eh bien qui ça connait ça te dit? Depuis après sortie spectaculaire barbecue t'es fait pour te annoncer révolution. Ou pas jamais dans les rien que t'es dit? Ou pas jamais dans les contacts d'été pour Nicolas presse pour te ni dénoncer pour te dire le bral et attaquer pour te dire le bral concerté avec ministre justice pour mettre action publique en mouvement non jodi on senti bon confort le jeune femme allié font action poser action dedans pays ou senti autorité l'état fait silence ou senti ça pas garder yo ça pas interpeller yo mais moi j'aime toujours dénoncer m'pa pas de mettre violence sous aucune forme. Nous te wè, leur opposition te prend manchette. Yo ta fait apologie violence contre tout moun ki pral participer dans référendum, contre tout moun ki pral louer bâtiment pour yo mettre bureau référendum. Yo te annoncé un référendum en couleur, je dis bien entendu 27 juin, li ta supposé jouer référendum, non ta supposé jouer pour tout moun à dire oui ou non contre projet nouvelle constitution. Eh bien, ce n'est pas le cas, malheureusement, pays n'a pas connu référendum. Non. Pour vous dire, mais est-ce qu'il y a connu le très prochainement? Nous pouvons connaître. Oui. Donc là, ou senti un recul qui prend par au côté pouvoir public là, par rapport à tout ça
qui fait dans la famille. Bien entendu, ou ka toujours joindre la police sans préparer des missions, mais est-ce que y a pas abouti? Le la police fait descente dans dans Delma 6. Moun ka plein là, c'est des séries de moun yo dou, yo met machine yo dehors, c'est police qui boule lui. Gè des séries de vidéos qui circulent sur internet là. Des séries de moun qui dénonce qui dou que c'est police qui met du feu dans caillou, c'est police qui boule machine yo, alors que moun yo t'ap chercher yo pa de jam là, non? Et comme si on vient chercher Jésus dans ton bois, li gè t'en levé bien vivant. Est-ce que nous est réalité pays? Donc, il y a des séries d'actions qui ont fait opération qui ont mené la police. On dirait que son mascarade a fait pour la population penser qu'on a fait et puis pas gagner qu'à régler. Je dis que le peuple a besoin de réponse. Nous avons besoin de réponse qui convaincante, nous besoin de réponse qui concrète. Si ça n'a pas fait, que le pas fait même. Mais question mascarade, je dis, pour nous prendre policiers mener au l'abattoir, même si ça a fait 12 mois avec policiers dans le village de Dieu, qui ça la police, j'en dis? Qui ça l'autorité l'État, j'en dis? Ancien premier ministre Jout, il te promet famille quoi, il te promet famille et gain action PNH pral faire gain action l'armée pral faire côté yo jusqu'à ce que le lever de li aller pas rien dit pas rien fait. C'est de même n'a prêté tant de promesse que pays a pral konn stabilité, pays a pral konn sécurité. Et puis rete n'a prêté n'a pour 7 février 2022 rivé président Jovenel Moïse li aller et puis le quitter même sous instabilité même insécurité même groupe terreur ça a manger pays a plonger pays. Est-ce que nous pensons si là qu'on nous prend transition, nous pensons transition ka vinn réparer ça gen là, transition pas ka réparer. Même l'élection rivé faite dans pays nous pour un gouvernement qui élu, nous pour un président qui élu, yo pas ka ranger ça gain là comme instabilité, ça gain là comme insécurité. Parce que à la base, c'est politique là même qui crée ça nous là. Donc sou pas ka manyen politique là, sou pas ka agencer parti politique yo ensemble, sou pas ka agencer idéologie politique yo. Nous pas ka faire alliance entre différents acteurs politiques. Qui ça nous pral ka résoudre comme crise institutionnel. Qui ça nous pral quand résoudre comme crise de sécurité en dedans pays? En rien. Ou imagine on nèg yo tellement pas kon limite yo. Nèg yo tellement remè pouvoir en dedans pays. L'opre cas, l'opre situation, juge d'instruction, Ramon Sitaksimi. Parti civil nan question Petro Caribéen nan procès, yo récusé l. Et si yo récusé yo comme juge, en tant que juge qui respecte tête yo, qui respecte procédure, qui compte ça la loi dit. Ou ap déporte de dossier, on l'autre juge apprend et puis a fait continuité. Mais non, juge a tellement senti le confortable. Non seulement il rend ordonnance, dans l'ordonnance là, il lave ancien premier ministre Laurent Lamotte comme s'il pas de jamais participé dans question l'argent Petro-Caribé, dans dilapider l'argent, dans voler l'argent. Il rend ordonnance, il lave ancien ministre tourisme Stéphanie Balmy-Vildoin comme si moun sa pas gagné pour avec l'argent Petro-Caribé. Alors que un juge qui respecte tête li, un juge qui connaît ça la loi dit, l'a connaît très clairement. Décharge moun sa ou pa gen pouwe avec ou des comptes, mais plutôt c'est parlement. Donc quoi tann l'élection fait en parlement vini pour processus ça continuer. Pour enquête continuer. Pour instruction dossier pour le poursuivre. Donc ou pa gen pou anik décider de pas ou même pour dire que moun sa ou cligno yo lave de tout soupçon. Le moun dit c'est corruption. Qui sauve les moi même pour me dire? C'est bonne volonté? C'est l'argent qui prend? C'est pas corruption? Ou bien c'est le juge qui est incompétent? Incompétence arrive trop loin. Oh oui, incompétence arrive très loin. Alors ce que nous disons, nous avons combattu la corruption dans l'administration publique, nous avons combattu le détournement de fonds, nous avons combattu le vol. Et puis je dis à là, c'est nous qui avons alimenté, c'est nous qui avons balé jarret dans le pouvoir judiciaire. C'est très malhonnête. Et parlant de corruption, ULCC qui c'est unité de lutte contre la corruption dans le pays. Yo sont demandé à ce que la banque commerciale, la banque financière, yo yo gelé 260 millions de gourdes pour Reginald Boulos avec différents autres monde qui fait partie de l'entreprise qui est l'RBI. Pour qui ça? Parce que l'État haïtien estime que yo détourné 65 millions de gourdes que yo t'ai prêté dans ONA, yo t'ai avec les affaires par avec. Mais bien entendu, l'argent yo t'ai prêté dans ONA, ONA gagne 22% non projet qui t'a pral monter hein. Donc son projet de partenariat Reginald Boulos li parle, Reginald Boulos voye pied li estomaqué parce que li estime son persécution politique si on a gen 22% dans partenariat comment yo fait détourner l'argent ça lorsque on a
ses propriétaires 22% de sol de terrain de construction qui va le faire. Est-ce que c'est persécution politique vrai? Est-ce que c'est sous bluff Reginald Boulos campé pour laver image li? Ou bien est-ce que YLCC a tout à fait raison pour leur donner à ce que yo gelé, yo privé moun sa de 260 millions de gourdes? M'a invité nous tendre quand tu parole Reginald Boulos t'a bailli. Ni saisi pour moi j'ai un monde gain rage dans li. Jean politique la fait monsieur enragé. C'est du jamais vu. On nous tendre, m'a retourner après pour commenter. Bon ensemble de éléments que ILC s'est présenté comme des faits, un à un, et Dr. Boulos, est-ce que vous avez un contre-argumentaire? Totalement, tout ça qui dit dans le document ça est faux, mensonger. Et je vais vous parler d'abord les faits. Le 8 janvier 2018, la RBI, qui était dans une opération d'acquisition de vastes terrains de 5 carreaux de terre ferme. Ce que je dis, on pas qu'à joindre encore dans Fermat, 5 carreaux, 64 252 mètres carrés, a proposé un partenariat à l'ONA sous forme de prise de participation. Et bon, lettre date du 8 janvier 2018, qu'a joindre l'ONA, qui proposait le prend 22% de actionnariat et RBI. L'ONA écrit nous, lui demande nous des informations additionnelles, statut, papier terrain, évaluation terrain et tout le bagage ça yo. Et nous répondions et on fait réunion de staff, de directeurs et l'on a décidé pour une prise de participation de 22% de terrain évalué à l'époque à 4,8 millions de dollars américains et l'on a pris en participation 22% que nous cédions pour 1 million, ce qui devait permettre de terminer le paiement de terrain, de achat terrain. Effectivement, terrain, c'est un projet de construction de logements pour la classe et surtout l'administration publique et les membres du secteur privé avec des logements que nous avons en tête nous, pour nous vendre à 10 millions de gouttes lorsque vous la fait 65 gouttes, ou qu'on est aujourd'hui à pas même bagaille encore, et l'ONA, pour 1 million de dollars, met 65 millions de gouttes. Comment on peut parler de détournement de fonds? L'on a acheté 22% dans la société, qui propriétaire d'un vaste terrain? Et on gagne 22% de lit, même l'ILCC a dit, là, allez, suivre le ouais, terrain. Donc, en fait, le signe de ce détournement, on n'a pas propriété 22%, parce que l'ONA, aujourd'hui, a des titres de propriété de 22% des actions. L'ONA a exigé un pacte d'actionnaires dans lequel il est toujours représenté dans le conseil d'administration. Nous avons des réunions périodique du conseil d'administration dans laquelle l'ONA a toujours été présente. Il a toujours participé dans toutes les réunions. Nous, quand ça passe en 2018, fin 2018, et manifestation Petro-Caribé, nous, quand ça passe pendant toute 2019, pays là, nous, quand ça passe en 2020, COVID, à chaque moment de réunion, nous t'es trouvé que le moment pour te déraper construction Kaitayo, pas de propice, parce que t'es gagné trop insécurité, instabilité et autres. Donc, la réalité, c'est que l'ONA, aujourd'hui, est propriétaire de 22% d'un terrain qui, en fait, en goudes, évalué aujourd'hui à 160 millions de goudes, l'ont considéré des côtes. Donc, en fait, l'ONA, aujourd'hui, a fait un profit substantiel sur son investissement de 65 millions de goudes. Okay, comme font-ils calculs à vous et Robertson? Allez-y, rapidement. Si l'ONA a été qu'un des 65 millions de goudes dans le compte-là, je dis à combien comme ça, à vous 600 000 dollars américains. Je dis à 22% de gain propriétaire là vaut 1,2 million de dollars. De quoi on parle? Maintenant, les propriétaires. Mais quittez-moi finir pour m'ajouter un bagage pour vous. Allez-y. Ajoute un dernier bagage. Lorsque nous avons terminé de faire cette acquisition, comme c'est un projet qui était plus adressé à l'administration publique, nous avons présenté le projet au président Jovenel Moïse. Il a pris sa voiture avec nous. Il est monté sur le terrain. Il a visité le terrain. Il a dit bravo, ça c'est un bel projet. Très content que on a là-dedans. Donc de quoi parle-t-on? Ok, maintenant... Et pourquoi on bloque le compte de tous les actionnaires, sauf l'ONA, qui est aussi actionnaire? Pourquoi ne pas bloquer le compte de l'ONA? Ou pas qu'on s'accuse, ou pas remarquer qu'on bagaille? Que bagaille, Mabdou? Un, cadavre chez Snell pour qu'on même frette. Parce que chez Snell, c'est toujours défendre le projet ça devant ULCT. Cadavre pour qu'on même frette. Deuxièmement, tout ceci arrive subitement après mon interview à Caraïbes. Quand le président Jovenel a appelé Anne et Joseph pour dire
ne pas comprendre pourquoi avancer sous boulot. Et je vais vous dire une dernière chose. Lorsque le président Jovenel a baillé Hans Ludwig Joseph pour les jobs, il dit ouais, dossier boulot, c'est moi seul qui a bon l'autre pour vous, c'est moi qui toujours le pour avancer le pour l'autre. Voilà la réalité des faits. Maintenant, on nous prend un aspect ça. ILC s'est dit, au survolé le 15 juin, il n'y a pas de projet logement commencé. Ou même, ou répondre que c'est conjoncture là qui fait que nous stand-by sur vous. Maintenant, est-ce que, c'est parti, ça me besoin de comprendre, le projet logement est fait, est-ce que l'ONA, par rapport à 22% de gain d'action, il est propriétaire de 22% de valeur TA et la propriétaire de 22% tout dans la valeur immobilière, le gain partage de dividendes qu'a fait, ou pas? Mais normalement, et je vais te dire, le projet a des chiffres. La construction va coûter 25 millions de dollars, la vente va coûter 32 millions de dollars, et n'a fait un profit brut d'à peu près 8 millions de dollars sous lit, dont l'ONA a gagné 22%, en plus que l'IA déjà gagné actif lit. C'est une société anonyme dans laquelle l'ONA a fait l'acquisition d'actions. Ce n'est pas la première fois, je ne vais pas citer de cas, mais ce n'est pas la première fois que l'ONA fait cette acquisition. Ensuite, Robinson et Robertson, pas poser nos questions. Depuis 2 ans, c'est comme si ULCC, c'est 2 dossiers qu'il connaît. Yuri La Tortue, Reginald Boulos, côté Dermalom, côté Petro-Caribé, côté Agri-France, côté Betec, côté Yo. Il n'y a pas existé dans le pays, je ne comprends pas. Quittez m'avancer avec mon autre point. Joseph, une seule chose. Persécuter Reginald Boulos. On va aller dans l'autre point, maintenant, on a bien analysé. Après, parce qu'il y a des bagailles avancées là, besoin de mettre devant on. Il y a des sommes qui transférées dans l'étude notaire et Jean-Ri Seyan, 65 millions de gouttes équivalent à 1 million de dollars américains. Il n'y a pas retracé sur les comptes de RBI et l'analyse des comptes bancaires de l'étude Seyan permet que y ait 65 millions distribués, ma cité, côte en côte, à des particuliers et autres personnes à des fins totalement étrangère à l'objet de ce partenariat, c'est-à-dire que le fonds a été, que la somme a été purement et simplement détournée. Une réaction sur ça? Bêtise. Mensonge. Je ne vais pas expliquer vous dire ça. Robertson, soit bâche ton tête, ou bâille noté à Cobla. Qui m'a noté à bâille Cobla? Propriétaire? L'argent a servi à payer le reste de la balance qu'on devait au propriétaire. L'argent n'était pas pour Airbnb. L'argent était pour payer les propriétaires du terrain. Aujourd'hui, la RBA est propriétaire de ce terrain à 100% sans aucune dette. Sans aucune dette. Donc de quoi on parle encore? C'est de la folie ce qui s'est fait là. C'est de l'injustice, c'est de l'arbitraire, c'est de l'illégalité. Plus loin. Et nous allons prendre les mesures. Je peux vous annoncer que nous allons assigner. Nous allons assigner au pénal ceux qui ont fait cette diffamation. Ils peuvent être prêts. Okay. Ils peuvent se préparer. RBI, plus loin, ULCC dit, et son coquille qui conçut, m'a cité, quote en quote, spécifiquement au fin de soutirer des fonds publics, et il dit que il n'y a pas aucune transaction significative sur la base des informations disponibles que RBI a été effectuée sur le compte bancaire. Et il dit, on l'a besoin, nous avons plusieurs adresses. Réaction sur ça, Dr. Boulos. Il n'y a pas eu plusieurs adresses. RBI en 2017 était logé au 3 Rue Goulard dans un local, ancien local Le Matin, que nous toujours quimbé depuis des années. Lorsque nous décidons de transformer le local ça en bureau MTV Haïti, nous transférer siège social RBI dans 85 et 86 Rue d'Ouverture, côté nous louer, dans main Universal Motors, un bureau pour RBI. Aussi simple que ça. Pour deuxièmement, comment on peut me dire que c'est une coquille vide? Quand la société possède la plus grande surface aujourd'hui à Fermat, la plus grande surface, m'invitez Robinson, pour nous voyons journalistes à visiter terrain ça. Ça n'existe plus à Fermat. C'est un bijou, telle 32 maisons jumelées. Nous avons soumis à l'ULCC le projet complet, même les plans des maisons sont faits. Donc, quelle transaction qu'il devrait y avoir que la transaction d'achat du terrain? Rien n'a encore été avancé. Et on d'accord avec nous, si nous avons construit bagay ça, dans le moment où nous vivons là, qui nous a acheté? Plus loin, par rapport à TA, ULCC dit, m'a cité, il existe des suspicions sur la sincérité de la transaction et aboutit à la vente supposée de la propriété. La palais de propriété fermée, tout fait qu'à parler à la. Et il n'y a pas quoi que. Il y a suspicion de sincérité de la transaction. On commente sur ça. Mais
Je ne comprends pas ce que ça veut dire. On leur a donné le certificat du notaire qui dit que nous sommes propriétaires. Le terrain appartient à 100% à RBI. De quoi on parle? C'est une série de mensonges qui est écrit dans le document. Série de mensonges. Persécution politique. C'est Wall-Henri Joseph. Son seul bagage, Henri Joseph, qui est dans cette vie. Persécuter Réginald Boulos, persécuter Yuri Lapentu. Mais c'est aussi, comme c'est moi qui parais comme l'opposant le plus farouche à Jovenel Moïse, Jovenel dit Henri Joseph, soit tonne pour avancer sous Boulos. Voilà la question. Soit tonne pour avancer sous Boulos. Le président Jovenel est en train de faire la même injustice qu'on lui avait fait, qu'il dit qu'on lui avait fait, lorsque c'est voyé Victor Souli qui a été bloqué comme candidat à la présidence. Je dis à ces ouais, MDV Haïti a pris un poids dans le pays. Pierre-Réginald Boulos a pris un poids dans le pays. Ça n'a pas qu'à faire, ils sont contents. Ils ont peur. Ils ont peur. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas de peur. Ils ont peur parce que nous, ils connaissent. Nous-mêmes, nous n'avons pas dormi. Nous n'avons pas dormi pauvres, les riches. Nous-mêmes, nous n'avons pas besoin comme l'État. Nous-mêmes, nous prenons mettre notre dans l'État. Et ils connaissent ça, ils ont fait pendant 4 ans. Je vais vous dire quelque chose. Sous le gouvernement de Jovenel Moïse, c'est le gouvernement où il y a eu le plus de massacres et de déchoucages de biens privés. Le plus de massacres sur la population et le plus de déchoucages de biens privés. Sous la présidence de Jovenel Moïse, président de facto, illégal et illégitime. De quoi parle-t-on? C'est une opération mensongère. Notre avocat, nos avocats vont répondre lundi et vous allez voir la réalité se développer. Mais ceux qui ont fait cette diffamation, ceux qui ont fait cette persécution politique, ceux qui, des jeunes avocats qui avaient un avenir, qui ont décidé de vendre leur âme à Jovenel Moïse, eh bien, ils iront s'expliquer au tribunal. Nous sommes dans le même jarem là, Réginald Boulos fâché. Les doux, c'est persécution politique. Les doux, c'est Jovenel Moïse qui l'a gagné en col. Les doux, c'est pouvoir qui a persécuté, qui a besoin de mettre de la tête, parce que premièrement, Réginald Boulos a validé avec MTV Haïti, et puis le doux, qu'on sait que. Lui-même, c'est parce que le voulait mettre l'ordre dans des zones, lui voulait normaliser ce qui a passé en dedans pays, en dedans institution l'État, qui fait n'est pas vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous pensons, Réginald Boulos, lui qui a mettre l'ordre dans des zones, dans ce qui a passé en dedans l'État, là, je dis? Est-ce que nous, en Réginald Boulos, on monde qui te kavin président de la République d'Haïti? Sincèrement, sérieusement, bah, réponse dans les commentaires, parce que moi-même, j'ai une opinion. Je respecte fort tout le monde. Je respecte l'ambition de tout le monde. Mais si on ne peut pas tolérer, c'est que tout le monde prétend que Haïti est sans vendre, tout le monde prétend que vous avez dirigé Haïti, tout le monde prétend que vous avez gouverné le pays. Nous arrivons là, à force que chaque monde qui monte, chaque novice en politique qui vient, nous battons bravo pour vous, nous acceptons, nous élus dans des postes électifs, dans des postes décisionnels. Et puis, sortant des nègres la sénateur, nègres la députée, nègres la président, nègres la magistrat. Moun nan li gen bien longtemps, la participe nan volé l'argent l'État. Li gen bien longtemps, la détourné fonds publics. Li gen bien longtemps, la volé tes moun. Li gen bien longtemps, li nan cocaïne. Yap tuye, yap rache, yap coupe, yap prostitue ti jeune fi nou yo, ti jeune garçon nou yo. Mais nous fermons les yeux sur ça. Ça pas intéressé nous. Parce que nous seulement besoin moun ki manje nan bon nou jodi an. Demain pas intéressé nous. Demain nous ka toujours prendre la rue, boule caoutchouc pour nous jeune manger pour demain. Mais c'est jodi a compter pour nous. Et c'est dommage que Haïtien oublie histoire. Et on peuple qui oublie histoire, qui pas fait devoir de mémoire ça. Nous appelons pour nous produire même erreur, pour nous faire même bêtise, et nous avons toujours trouvé nous dans la même situation. Ça, je veux dire, qui est-ce qui a pris une décision? Grande majorité, hein? Qui est-ce qui a gagné l'élection qui a participé? Grande majorité, hein? Qui est-ce qui a gagné la manifestation qui a participé? Grande majorité, hein? Et grande majorité, ça. C'est moun qui, pour la plupart, n'ont pas éduqué, n'ont pas formé, n'ont pas connu la réalité politique pays. Hein? Tout ça qui intéresse, c'est barre au manger, barre au plaisir. C'est moun ça, yo. Travail qui doit faire là doit faire avec moun sa yo à la base. Nous doit ka toucher moun ki nan quartier populaire yo, moun ki nan masse défavorisée, c'est moun sa yo pour nous conscientiser tout d'abord pour yo connait que ça ka passer dans pays li concerné yo avant tout. Parce que jodi on fait choix pour aller à un gang, quand ton policier ouais qui engagé de manière honnête pour le servir, pour le protéger vous, pour protéger bien ou trahir ou livrer le bay bandi, c'est compte tout. Ou pas j'aime bien à l'aise dans le pays que j'en ai.
Parce que gen moun ki an lèr, moun ki mete zam nan men bandi yo an ba, yop kenbo nan situasyon, yop kenbo nan vi ou ye an. Et même l'autre a évolué, pas j'aime arriver dans l'autre niveau que niveau bandit, y a stoppé là. Parce que aussitôt gen moyen pour t'adjou pral dans classe moyenne, depuis yo pas ka décapitaliser, y a toujours, ou pas j'aime aller plus loin. C'est mentalité haïtien comme ça. C'est mentalité petit bourgeois dans pays nous comme ça. Parce que qui grand nèg, qui moun k'ap bataille pour progrès pour pays, qui moun ki doul reme pays, li son secteur privé et puis qui pa ta reme wè développement vrai a fait Haïti. Qui pa ta reme wè gon stabilité économique nan pays an. Jodi an pou grand nèg la pou le faire l'argent, pou le sentir la l'aise, c'est nan mete fluctuation, c'est nan dévaloriser goud nou nan kase économie nou. Moi m'le parle de secteur privé c'est rimri parce que chaque nèg dans secteur privé ça yo gon grain zanou ka ofev yo gon grain zanou nan tiwa pouvoir public là parce que c'est moun ka participer dans évasion fiscale c'est moun ka fait détournement de fonds c'est moun ka fait surfacturation c'est moun ka bénéficier franchise après franchise de manière indéterminée c'est moun sa ki di ap travay pou peuple alors que yon privé population haïtienne nan yo privé sak pi faible pou yo espéron jou pou yo jwenn manje nan asiet yo pas prétendre que jodi a le grand nèg nan le fait gros market li employé 50 moun c'est vrai 50 moun sorti nan chômage on chômage déguisé mais privilège la joui sou do 50 moun sa yo c'est 2500 haïtien ou te ka yo même créé business par yo pou yo bay 50 lot moun travail et puis nou gen secteur privé et ça nou rele secteur privé a ça son paquet 40 clou on paquet sousser yo on paquet voler déguisé et à force que autorité l'état ou même genre avec yo nous gen des dirigeants pour la plupart c'est l'argent c'est poche yo vinn rempli pour yo aller pour acheter belle caille pour acheter belle machine yo gen femmes et enfants tellement yo gen femme petite ou pas ka contrôler madame yo petite yo là-bas yo même c'est en Haïti pour faire recette pour voyer chaque mois aller donc là pays a pas jambe kon stabilité pays a pas jambe kon l'appel pas kon tranquillité d'autant c'est comme ça nous accepter politique faite d'autant c'est comme ça nous accepter secteur privé gen contrôle économie pays d'autant c'est comme ça nous accepter pour pouvoir public là nan deal ak bandi légal sa yo il fut un temps te gen magasin de l'état nous te gen asco nous te gen série d'Haïti c'est là fait a fait c'est là ciment a fait côté yo nous gon paquet sénateur nous gon paquet nèg ki nan pouvoir lié président zanmi président c'est eux même jodi la yo assuré yo que yo allié avec grand nèg la avec bourgeois yo assuré yo que yo détruit toute institution ça yo toute entreprise l'état ça yo pour yo même pour yo ka vini met entreprise privée par yo c'est des millions de dollars de fer de ciment tuyau PVC n'a commandé chaque année oui en République dominicaine alors que là nous te ka fè yo mais non nèg plutôt fait alliance avec ti bourgeois ti grand nèg à la République dominicaine font entreprise et puis vinn vendre haïtien produit et puis avec qui l'argent yo fait entreprise oui s'il vous plaît l'argent yo détourné dans caisse publique là dans trésor public là l'argent peut pas ici encore qui tourne fret pour caler nous moment arrivé pour nous prendre responsabilité nous pour nous compte qui ça nous voulait pour pays et dans prochaine élection que pral fête là yo on pas espérer nous prendre même promesse yo nous pral mettre terre nous pral mettre soleil nous pral mettre l'eau promesse ça nous elle pas marcher qu'on y a faut nous ka venir avec des bagages qui concrets des bagages qui matérialisés. Nous besoin magasin de l'état nous besoin pour entreprise ça pour retourner dans pays hein. Nous songe entend le grand monde qu'on a raconté nous te gain chemin de fer. Côté bagaille ça yo, jodi en là, m'a regardé des séries de photos anciennes. Nous te gain air d'Haïti. Côté nous te gain hélicoptère côté bagaille ça yo, ben ça au passé alors que c'est kounya monde là évoluer. C'est kounya technologie a fait avancer. Mais nous même nous rete derrière nous dans bouda camion nous dans bouda train toujours rien pas marcher pour nous mais la question pour nous mettre conflit gang yo nous premier la question pour nous mettre zam nan men jeunesse là nous en avant parce que c'est là pour nous faire l'argent nous c'est là pour nous sentir nous utile c'est là intérêt nous menacer mais secteur privé nous gen là mais bourgeois nous gen là mais pays nous gen là mais dirigeants nous gen là. Eh bien, moment de réveil en arrivé.
moment de conscience citoyenne li rive, réveillez. Parce que moi déjà m'engager dans bataille ça dans combat parce que m'a informé au ça qui passé dans pays m'a pas comprendre tableau panoramique politique là comment nèg a fait politique comment nèg a troupizou dans politique là comment nèg a prend privilège peuple haïtien pour détourner l'intérêt personnel yo. Donc son travail qui est extrêmement difficile ou même faut qu'on engage pour comprendre réalité politique là pour aider l'autre monde comprendre réalité politique là réalité paysan parce que misère nous là dans la zone misère programmée insécurité en deux même li programmée instabilité politique là konn pour qui ça là. Parce que jou pays a stabilité politique, jou acteur politique qui décide de mettre tête ensemble pour yo sorti pays a dans impasse lié là, pour yo sorti pays a dans crise politique lié là. A gen sécurité, a gen stabilité économique, mais bourgeois de chez pays ça yo nous gen là, yo pas aussi influent, pas aussi présent dans économie, a toujours gen secteur privé. Mais pour quantité privilège, pour quantité franchise nèg sa yo a joui, pour quantité l'argent nèg sa yo a détourné de caisse publique là, de trésor public là. Pour valer malheureux malheureux yo kembe nan misère parce que yo pa payé des séries de droits. Pays a konnen avancer, oui pays a konnen aller mieux. L'argent ça yo ka investi dans éducation, l'argent ça yo ka investi dans santé, l'argent ça yo a puti l'autre domaine d'activité en dedans pays an. Mais c'est journée que décider mettre tête ensemble. Mais gen division ça aussi palpable, gen division ça on a gardé là. Unité ça pas pour bientôt. Unité ça pas pour demain, pas pour après demain, mais nous espérons quand même. Parce que génération qui vient là, au moins faut qu'on ait stabilité. Au moins faut qu'on ait tranquillité dans le pays. Et c'est pour ça que m'engager, c'est pour ça ou même tout. Faut engager dans la bataille ça pour demain mieux. Pour jeunes qui viennent là, pour génération qui vient pour venir là. Moment arrivé pour mettre en bout dans l'émission mon éditorial pour aujourd'hui. M'espérer que travail de réveil de conscience collective ça li touche. Du fait que le touche ou pral prépare pour décider qui ça ka bon pour ou, qui ça ka bon pour pays ou, qui ça ka bon pour génération ka vini la yo. C'est ça nous besoin. C'est ça n'a cherché et c'est ça travail l'an gagné comme objectif dans l'émission mon éditorial. Principe l'an li pas changé. Continuez garder vidéo, partager vidéo avec tout contact ou. Quittez un commentaire, quittez un like. Rendez-vous. Likansé pour demain. Dans même l'heure, sous même chaîne. Déjà, encore une fois, m'abdou. Merci pour écoute. Merci pour attention. Merci pour fidélité. Merci Wilson Nouissa TV pour montage et réalisation émission. Si là, dernière micro-présentation, c'est toujours même Yannick Lan. Mais voilà, rien n'est pas changé. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel parle pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon éditorial. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.